Attends. Aidez-moi. Ça va? Je pars quand il s'explique, hein. Si c'est un prank, les gars, si je le vois, je le percute. Hein. C'est pas un prank, percute pas avec ma voiture, frérot. Non, après, je te donnerai les sous, moi, je suis pas comme lui. Hein? Salut Internet, c'est Kamoff et bienvenue sur ma chaîne principale. Aujourd'hui, on va faire une vidéo de ouf. Mais avant que la vidéo commence, je voulais vous présenter un hébergeur. Si vous voulez avoir un site Internet comme moi, prenez Planète Austère. Ils sont implantés en Suisse et au Canada et c'est 100% fiable. C'est les meilleurs, pour moi, hébergeurs au monde. Pour ceux qui sont dans le domaine, vous savez de quoi je parle. Je voulais faire un nouveau site pour mes vêtements, pour vendre, vous savez, j'ai des vêtements Kamoff comme cela. Je voulais faire un nouveau site et je suis tombé sur lui et j'ai été agréablement surpris. Non seulement ils font des super prix de ouf, mais en plus de ça, aujourd'hui avec cette vidéo et ce code promo Kamoff25, vous avez 25% de réduction supplémentaire en plus de leur tarif très très bien. Vous avez un service client en plus de ça qui est très joignable, qui sont à l'écoute et si vous avez le moindre problème, vous pouvez les contacter. Pour les sites WordPress, c'est l'idéal et en plus de ça, ils offrent une configuration assistée. Donc n'hésitez pas les amis, Planète Austère, c'est le bon plan d'aujourd'hui et je vous en fais profiter. Bon visionnage à tous et à plus. Salut Internet, c'est Kamoff. Aujourd'hui, je tourne une vidéo, c'est exceptionnel. Franchement, je devais pas tourner. J'ai appelé Farid en renfort. Ouais. Farid, vous le connaissez déjà. Farid tourne. Il a une chaîne YouTube. Je vais vous expliquer ce qui se passe. On va faire très très vite. On est aussi avec la famille Sony qui font des caméras cachées exceptionnelles sur Marseille. Allez voir ce qu'ils font. Ah, ils vont dans la rue à Marseille. Ouais, donne-moi ton téléphone et tout. Il y a des réactions de malades. Allez voir leur chaîne. Ouais, c'est des malades, c'est des grands malades. Allez voir leur chaîne. Tout est en description. Elle s'affiche juste en dessous. Je les ai fait venir. Pourquoi? Parce que on m'a volé mon chien. Vous savez que j'ai un petit chien qui s'appelle Caramel. Et en fait, je me suis rendu compte ce matin qu'il avait disparu. Donc j'ai des caméras, heureusement que j'ai des caméras chez moi. Il y a des caméras de surveillance. Et en regardant les caméras, je me suis rendu compte qu'une personne s'était introduite chez moi, avait pris le chien dans mon jardin et était partie avec. Heureusement que ce chien a un collier avec GPS. Moi, je me suis toujours dit, bon, si jamais je le perds, au moins chez où il est, eh ben, au moins là, ça va nous servir parce qu'on sait exactement où est le chien. On va mettre la partie maintenant où on voit le mec rentrer chez moi pour kidnapper mon chien. Et après, on va aller chez lui parce qu'on a la position GPS exacte en espérant que le chien soit toujours en vie et qu'il soit toujours à l'endroit, qu'il n'ait pas capté le GPS, le mec. Parce que bon, après, c'est un collier normal, donc je ne suis pas sûr qu'il capte. Mais voilà, donc on va vous montrer la vidéo. On va aller choper le mec s'il est là et on verra comment ça se passe. C'est pour ça qu'ils sont avec moi. Allez, go. Bon les amis, on est sur les lieux grâce à l'application que j'ai sur le téléphone. Une sorte de résidence privée, hein, c'est pas un quartier chaud, c'est vraiment tranquille. Et apparemment le chien serait soit dans ce bâtiment, soit dans celui-là. Dans tous les cas, nous on est posté ici, donc on va rester caché, on va attendre. Et quand on le voit, on interviendra. Ah, mais j'ai vu quelqu'un passer, il a raison. Ah, c'est lui frère, c'est lui. Ah oui, c'est mon chien, c'est mon chien. 100% sûr. C'est mon chien. Good. Qu'est-ce qu'il attend? Je vais voir comment il le traite, tu vois. Après je vais le chercher. Maintenant, je sais où il est. Ça y est. Il est branché en plus. Tu veux que j'aille ou pas? Non, on y va tranquille, t'inquiète. Ah, bah, il fait faire ses besoins, le chien, il fait caca, tranquille. Tu vois. Moi, je l'attrape, j'ai deux cornes, t'inquiète. On dirait limite, c'est son chien, frère. Ah, ouais, bah, il en prend soin. Heureusement qu'on a une gros zoom. Hein. Ah, les gars, je crois qu'il va rentrer là. Il faut pas qu'on le laisse rentrer. Hein. Si on y va, tu viens avec nous, avec la caméra. Vas-y, maintenant, parce que c'est. Wesh, ça va? T'as pas l'impression d'avoir mon chien, frérot? Qui est ton chien? Hein? C'est mon chien, ça. C'est un chien? T'as tout où le chien? Tu as tout où? Je l'ai acheté. Tu l'as acheté ou pas? Je l'ai acheté à Animalis. Animalis? Ouais. Animalis, ils vendent des chiens comme ça? Je suis. Moi, ça, s'il te plaît. Lâche ça. Je peux pas être la main ou pas? Lâche. Attends, passe-le. Passe-le. Caméraman. Hein? On le prend avec nous? Oui, tu vas venir avec nous. Attends. Tu sais qui je suis ou pas? Ouais, je sais qui. Et alors? Et pourquoi tu es venu prendre mon chien? Je comprends pas. Parce que. Alors. T'inquiète, tu peux le lâcher, frère. Il va pas aller. Oui, mais si, écoute. Écoute, on va faire simple. Le chien, ouais. Tu sais qui je suis, tu me connais. Ouais, je sais. Parce que tu sais que j'ai des caméras. Alors,
Tu sais que j'ai des caméras de surveillance. Oui, alors. Tu sais que mon chien il a un collier avec le GPS, tu as pas capté? Non. C'est pour ça qu'on sait que tu es con, ce que tu fais exprès. Il est con, hein. C'est pas un bracelet ou quoi? Et alors, qu'est-ce que je m'en parle? Ou ça va aimer comme ça? Non, Poto, reste tranquille. Je t'explique, là, faut pas remarquer parce qu'il y a des gens autour. Mais si tu veux vraiment qu'on aille dans un coin et que je t'arrache la tête, on peut y aller maintenant. Je vais te poser des questions, tu me réponds simplement. Vas-y, mon chien. J'ai appris que tu savais qui c'était le mien. Ouais. Donc tu savais où j'habite. Ouais. Donc pourquoi tu as pris le chien? Parce que, pour des sous. Voilà. Mais comment pour des sous? Tiens, des sous. Je t'avais envoyé des messages, t'as pas vu? Quel message? Sur Insta, je t'ai envoyé des messages. Non, j'ai trop. Excuse-moi, j'ai des tonnes de messages, j'ai 200 000 personnes sur Insta, je vois pas tous les messages. Quel message? Moi j'ai pris ton chien pour te demander des sous. Voilà, si je prends l'argent. Pour l'argent? Mais frère, tu me l'as enlevé quand le chien? Tu me l'as enlevé aujourd'hui? Enfin, hier soir? Enfin, aujourd'hui? Je l'ai enlevé ce matin. Ce matin? Mais d'accord, t'es au courant. Bah si, puisque je suis là. Il est débile, frère. Je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Je vais t'expliquer, c'est en train de me monter là, tu vois, c'est en train de vraiment m'énerver. Je vais t'expliquer. Mon chien, moi j'ai des caméras de surveillance chez moi. Ouais. Donc j'ai vu quelqu'un, j'ai vu ta figure rentrer pour prendre mon chien, d'accord? Mmh. Ensuite, comment j'ai su qui tu étais? Tout simplement parce que mon chien, il a un collier GPS au cas où il se perd. Ouais. Et moi, j'arrive à le localiser avec ce collier GPS, tu vois. Donc j'ai vu qu'il était ici ou dans ce bâtiment. Et là, on a attendu, et comme par hasard, ça fait même pas 20 minutes qu'on est là. On a eu la chance, il est descendu pour le sortir. Donc c'est bien que tu en prends soin, mais c'est quoi le but? Je comprends pas le but. Le but c'était des sous. J'avais besoin de sous, donc je suis allé voir toi, je suis allé chez toi. Mais comment tu veux me contacter? Je comprends pas. Comment tu... Je t'ai contacté sur Insta. Tu m'as envoyé des messages sur Insta? Ouais. Et tu m'as... Et alors? Et quoi? J'ai voulu ton chien ce matin, je t'ai envoyé un message après, et je t'ai dit, ou je m'apporte des sous, ou ton chien je le garde. Eh bien ton chien je l'ai gardé. Oui, non, ouais. Sauf que là tu l'as plus le chien. Maintenant on fait comment? Parce que là, du coup, j'ai récupéré mon chien. Ouais. J'ai pas de sous. Par contre, tu es rentré chez moi, c'est considéré comme un cambriolage. Tu as pris mon chien, c'est considéré comme un vol. Et tu m'as demandé une rançon. C'est que j'ai rien du tout. Quoi, tu veux qu'on te raquette? J'ai rien. Tu t'es pas douté quand même que j'allais faire une vidéo sur la caméra? Ouais, sans déconner. En plus, tu l'as vu le message il y a même pas une heure. Tu veux te répondre en une heure? Prends une caméra, j'ai pas compris. Tu connais mes vidéos, tu sais que je suis comme off. Tu sais à qui tu as volé le chien? Pourquoi t'es pas venu normal sans ramener? Parce que frérot, je peux faire du contenu, moi je fais du contenu. Allez, viens avec nous, viens. Non, bouge, viens, tu vas venir avec nous. T'as quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans? Ouais. Et tu t'amuses à faire ça? Tu veux pas aller travailler comme tout le monde? J'essaye, mais à ce moment, il y a pas. Y'a pas quoi? Y'a pas de travail. Y'a pas de travail? Tiens-moi ça, s'il te plaît. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Soit la vidéo, on la prend, on la met au commissariat maintenant. Et à mon avis, je pense que tu vas peut-être payer une grosse amende et tu vas faire de la garde à vue. Tu vas pas aller en prison pour ça, mais tu vas payer une grosse amende. Soit tu viens avec nous et tu connais mes vidéos. Tu connais comment? Eh ben. Ce compte-là, tu connais la suite. Ça veut dire qu'à la fin, on va te faire une petite sentence. Tu préfères la sentence? Moi. Tu veux que je te dise, vu la sentence que je vais te faire, frérot? À mon avis, tu préfères le commissariat avec la sentence. Après, tu fais comme tu veux. Non, mais je te conseille. Hein. Je te conseille. Non, je suis en sursis, je préfère. Ah, c'est un sursis? Sursis, pourquoi? 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 Quand tu as volé des chiens, quoi? Là, pour trafic et cambriolage. Cambriolage? Tu vas cambrioler chez lui en plus. Tu vas voler des chiens chez lui. Par contre, je t'explique. Si tu reviens chez moi, que tu dis mon adresse à qui que ce soit, je te prends, je te pète les dents, je donne ton adresse parce que je sais où tu habites. Ouais, n'oublie pas. Tu veux venir avec nous? Ouais, franchement, je préfère la sentence. Tu préfères la sentence? Ouais. Donc, tu vas venir avec nous. En plus, tu vois, les gens, ils ont entendu du bruit, ils ont appelé la police. À cause des Alors, viens avec nous, on bouge. Donc là, je t'explique. Tu as vu, on a été gentils, moi j'ai tenu ma parole. Ouais. Tu as vu, il y a les gens, ils ont appelé la SVP ici. Ouais. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait du monde. La SVP, on t'a pas balancé. On a rien dit. On aurait pu te balancer, on l'a pas fait. Bon, les amis, vous connaissez Kamoff, vous savez que. Non, là c'est une sentence qu'on n'a jamais faite, je vous dis la vérité, c'est du pur délire. Ah, vous l'entendez, mais vous ne le voyez pas. Hein? Je vous laisse deviner où il est. Hein? Mettez pause sur cette image et essayez de le trouver comme Charlie. Où est Charlie? Essayez de le trouver, allez. Le Renoir, il a dit. C'est ton père Laura, il a dit. Bon, les amis, si vous n'avez pas deviné, on va vous montrer où il est. Attends, c'est pas fini. Bougez pas. Attends. Oh, c'est pas fini. C'est moi. Ça va? Alors, j'explique. Je vous explique, les amis. En gros, cette planche, on l'a levée avec notre ami. Mais le truc, c'est qu'en fait, lui, il peut pas la sortir parce qu'en fait, il faut beaucoup de force. On s'est mis à plusieurs pour la relever. Et puis même, je vais vous dire un truc. On va pas être 3 mètres. Mais c'est solide ça, moi.
Oui, oui, c'est solide. Attends, après, c'est j'ai quand même testé chez moi ça. Vous voyez donc, voyez, c'est pas des. Tiens, c'est qui sort dessus? Regarde, ça rebondit un peu. Ça rebondit? Vas-y, fais un petit salto. Fais un petit salto dessus, vas-y. Vas-y. Olé. C'est costaud, ouais, ça bouge pas. Et vous voyez, les amis, non, sérieux, viens voir de plus près si tu veux. Mais c'est. C'est pas costaud. Voilà, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Attends, attends, j'ai arrosé un petit dernier. Vas-y. Ok. Ah, c'est pile pour le milieu en plus. Hein. Ah, mais on voulait ça aussi pareil. Voilà. On fait un défi, lui qui reste tout en milieu. Voilà, au moins là c'est sûr qu'il partira plus. Donc nous, on va. On va te laisser ici. Non, s'il te plaît. Si, on va le laisser ici. On va le laisser ici. On espère qu'il recommence. On sera jamais. D'accord. Donc nous, les amis, on y va. On part, on le laisse là. Et je pense qu'il y a bien quelqu'un qui va venir le sortir. Bon, si jamais. Ouais, il craint les araignées. Il craint les araignées. Si jamais personne vient t'aider, ben tu passeras la nuit ici, frérot. Qu'est-ce que je te dis? On y va? C'était un honneur. Allez, ciao! Il y a des voitures, il y a des gens qui vont venir t'aider. Il y a une note, vas-y. On va voir si la femme. Wow! Wow! Elle va s'arrêter pour l'aider. Bon, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bien entendu, on va pas le laisser ici. Lui, là, il est en train de croire que. Il va rester toute la soirée et toute la journée, mais en fait, dans une heure, il sera libéré, vous inquiétez pas. Grand merci à Sonic, merci à Sofiane, merci. Viens là, viens frérot. Il a un bouquin de légende, il est derrière. Viens là, viens. Frérot, casse-toi trop tard, on est en pleine vidéo. Dédicace là. Aussi à Jordan, notre ami. Sonic, allez voir leur chaîne YouTube. Ouais, ils font... Je pense que ça aurait été sympa d'atteindre 10 000 abonnés, hein. On ils est font... à 7 000. Ils font du contenu de fou. Moi, je remercie les frérots, merci d'être venus. Ça fait un plaisir. Ils gèrent. Il y en a très bien rigolé. Eh ben, j'espère, très bonne personne, frérot. Très sympa. Non, ben, ma foi, on est, toi, on est humain, frérot. Ah, les gars. Allez sur leur chaîne, les gars. Les gars, il faut pas voler chez lui. Et allez voir aussi la chaîne de Farid Itoun. Il fait aussi des acrobaties. Tiens, petit. Allez, pour finir en beauté, on finit en beauté. Allez. Vas-y. Voilà, Farid, voilà. Donc rendez-vous mercredi prochain, 18h. Et abonnez-vous à toutes les chaînes qui sont là en description. C'était Kamoff, à bientôt, ciao ciao. Juste avant que la vidéo se termine, je tiens à dire aux gens qui ont des animaux, faites attention, il y a toujours des barjots comme ça. Hein, bon moi c'est parce que voilà, le mec il savait, il voulait une rançon, mais il y a des gens qui volent des animaux juste par plaisir ou pour les revendre. Donc faites attention, si vous pouvez mettre des caméras, mettez des caméras. Et si vous pouvez aussi acheter des colliers GPS pour animaux, mettez-leur, ça peut vous sauver la vie. Comme moi, ça m'a aidé à retrouver mon chien, voilà. Donc tous ceux qui ont des animaux, faites attention, les jardins, caméras, colliers GPS et ayez toujours un œil sur vos animaux. C'était Kamoff, à très vite. Ciao, ciao.